Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais tester un sonomètre d'entrée de gamme avec un sonomètre professionnel. Donc le but est de voir si pour avoir des données correctes, il est nécessaire ou pas d'investir dans un sonomètre très cher. Par exemple, celui-ci, il vaut aux alentours de 15 à 20 euros. Celui-ci, il vaut plus de 250 euros. Donc dans la boîte, on trouve un sonomètre, une pile, et une petite notice. Donc le sonomètre, il mesure des données entre 30 et 130 décibels. Il a une précision de plus ou moins 1,5 décibels. Il fonctionne avec une pile donc 9 volts. Donc là, on voit le sonomètre. Donc là, il y a le bouton on, off et max. Ici, la zone pour la pile. Donc ici, il y a une petite zone pour la calibration. Donc en effet, dans la notice, on apprend que le produit est calibré avant l'envoi. Et il faut le recalibrer tous les ans environ. Donc là, il y a le bouton on, off. Ici, on a le bouton max. Donc c'est-à-dire qu'il va donner le son le maximum qu'il entend. Et on voit que l'écran est légèrement rétro-éclairé.